Bonjour à tous, Pierre Ménès est à mes côtés pour vous faire vivre un nouveau match de cette Coupe du Monde de la FIFA Russie 2018. Deuxième rencontre pour les deux équipes dans ce groupe aujourd'hui, c'est bien évidemment très important. Ouais, ça permet de noter les progrès par rapport au premier match pour les deux équipes, mais c'est sûr que l'important encore une fois est le résultat. Une rencontre où l'Argentine affrontera la Croatie. On est à quelques secondes du coup d'envoi d'un match extrêmement attendu, Pierre. Oui, c'est une belle affiche. Tous les ingrédients sont là pour nous assister à un super match. L'équipe qui reste sur une victoire à domicile. L'équipe avait fait un bon match en s'imposant sur le score de 3-2 et ils peuvent continuer. Novgorod, c'est un nom qu'on a vu refleurir sur les atlas de géographie dans les années 90. Avant, la ville s'était appelée Gorki pendant près de 60 ans, en l'honneur bien sûr de l'illustre écrivain Maxime Gorki. Ouais, en fait, les Russes sont les spécialistes des changements de nom de ville. Tu en vas 10 ans, tu reviens, la ville a changé de nom. Argentine, le 11 de départ, le voici. On découvre que l'entraîneur a retenu un 4-3-3 pour cette rencontre. Avec un attaquant axial et deux joueurs sur les côtés qui se transforment en milieu défensif à la perte de la balle. Là, sur votre écran, la composition de l'équipe de Croatie. L'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Sans doute pour obliger l'adversaire à sortir et à prendre des risques. La suite de la phase de groupe de cette Coupe du Monde. Avec cette rencontre qui démarre à l'instant. Le premier est un match décisif, le deuxième est souvent un match très décisif. C'est là où tu peux te qualifier ou boucler ta valise, c'est selon. Ivan Rakitic. Là, l'Argentine a récupéré. Modric. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Luka Modric, il avait bien senti le coup. La passe est interceptée. Allez, une attaque de la Croatie. Modric, Perisic, il peut faire mal. C'est donc l'ouverture du score, 1-0. Un poste repos. Non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Et le jeu qui se... L'arbitre qui doit intervenir. Allez, on s'arrête à peine de jouer, c'est bien vu. Le bon ballon. Pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement raté en fait.
avec cette pluie, le jeu va peut-être être accéléré un petit peu. C'est sûr, il faudra soigner les transversales et les contrôles. C'est pas toujours évident sous la pluie. Les joueurs vont sûrement privilégier le jeu court. Gabriel Mercado sur le côté vers Messi. Higuaín. Ah, j'ai parlé un petit peu trop vite. Andrés Kramaric. Il s'avance vers la surface. Attention Perisic. Mandzukic. Oui, tout parle de ça, mais que dire de cette tête. Je découvre ce but d'un autre point de vue. Arrivé à Mascherano. Mascherano. Fazio. Marcos Rojo. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Non, elle est interceptée cette passe. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Banega. Marcos Rojo. Biglia. Mandzukic. Arrivé Mascherano. Ça n'ira pas plus loin. Andrés Kramaric. Allez, les Croates à la manœuvre. Vasco. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il cherche le premier poteau. Un gardien qui repousse du point. Modric. Andrej Kramaric. Ouais, Modric à nouveau. Ouais, l'arbitrage à l'anglaise, il laisse jouer. Oh, full bridge is referee Hervé. Vasco. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Gabriel Mercado. Perisic. Et le ballon qui sort en touche, hein. C'est bien joué, hein, tactiquement de la part du défenseur. Fazio. Sur l'air avec Di Maria. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ce sera une sortie de but. Hein. On revoit l'arrêt du gardien. Ah, ce genre de geste qui rassure toute la défense. Perisic. Oh, magnifique, magnifique. Perisic dans l'espace. Oh, il était tout seul face au gardien. Oh, l'occasion. Ah, il a manqué de lucidité et de relâchement. Pas la peine de chercher plus loin. Gabriel Mercado. Messi. Allez, peut-être un bon ballon à jouer pour les Argentins. Messi qui soigne son centre. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Récupération de Mascherano. Andrés Kramaric.
cette deuxième journée du premier tour, souvent fatale pour certains favoris. Oui, et parfois même au tenant du titre, comme l'Espagne en 2014 avec ses deux défaites contre les Pays-Bas et le Chili. En quelques jours, c'était fini. Ah, il a coupé leur élan au tout dernier moment. Bien joué. Alors, jeu qui est signalé. Ouh, ça doit être vraiment limite. Hein. Sur le côté. Pas les gars. Ah, c'est sorti. Ce sera une touche. En mise en jeu. Effectué très rapidement. Ah, c'est bien mené ça. Ah non, ça donnera rien. Le ballon était donné trop fort. Oh, il avait intérêt à le récupérer, hein, ce ballon. C'est bien joué. On aura droit à 3 minutes de temps additionnel au minimum. Hein. Il a vu Higuain, il centre. Le ballon qui navigue toujours en zone dangereuse. Mascherano. Gabriel Mercado. Banega. Et les Argentins à l'attaque. Ouais, sans doute une mauvaise décision que de prendre ce type. On sent l'équipe en très grande difficulté pour son deuxième match, hein, c'est assez étonnant. Et surtout, ça se reflète au tableau d'affichage. J'espère qu'elle va réagir maintenant, parce que là, ça fait quand même un peu désordre. Modric, Perisic, il peut faire mal. Alors on s'arrête à peine de jouer, c'est bien vu. Luca, ouais. Le bon ballon. Il s'avance vers la surface. Attention Perisic. Oh sur la... Mandzukic. La tête, oui le but. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Il cherche le premier poteau. Un dernier tir au pouce du point. De ce deuxième match de la phase de groupe de la Coupe du Monde. Un coup d'envoi a été donné à l'instant. Javier Mascherano. Gabriel Mercado. Ah, elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Hors jeu, André Di Maria, dommage. Mascherano, une Argentine qui se projette vers l'avant. Merci. Pour Higuain, le centre. Une superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. Excellente hein, cette tête. Tout y est sur ce coup de tête. Le timing, la précision et évidemment la puissance. Allez, les images au ralenti du but argentin. Un très beau but avec un centre de qualité. Il faut dire qu'il adore donner des bons ballons comme ça. Ce centre sont souvent à l'origine des buts de cette formation. Ah, il est bien tiré, hein, Pierre. Oui, Higuain qui arrive à placer sa tête pour tromper le gardien, c'est parfait. Il mène à la marque désormais 2-1. Encore un bon ballon. Vasco. André Skrinić. L'attaque de la Croatie. Ivan Perisic.
Oh oui, bien joué, le gardien à la parade. Un corner pour la Croatie. Le corner de Rakitic, bien tiré. Elle s'est repoussée du point par le gardien. Oh là là, l'occasion. Qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, enfin une équipe qui veut faire circuler le ballon, deux joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Ces dernières consignes, un joueur qui l'a rentré. Le score, vous le voyez, c'est 3-1. Messi. Modric. On s'approche de la zone de vérité. Higuain. André Di Maria. Elle, la voilà la frappe. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Donc le joueur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Une petite combinaison sur ce corner. Un centre qui est contré. L'enjeu sera Argentine. Allez, peut-être un bon ballon à jouer pour les Argentins. Modric. Ivan Savic. On arrive dans la dernière demi-heure de cette partie. Lumineux cette passe au centre, maintenant il est contré. On essaie d'écarter le danger, mais c'est assez brouillon tout ça. Christian Pavone, Ilan Balogh. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Christian Pavone, Ndolo Igouen, Lionel Messi. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Centre à destination d'Higuain. Lucas Biglia. Le gardien qui repousse, il y a toujours danger. Non, elle est interceptée cette passe. Le ballon qui a été dévié, ce sera une touche. L'entraîneur qui décide de le faire sortir. Je trouve qu'il a été bon dans ce match. Disponible pour ses coéquipiers. Il a contribué au bon match que son équipe est en train de réaliser. Lucas Biglia. Au second poteau, Lionel Messi. Un gardien qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Mandzukic. Lucas avec un tir. À son ballon qui n'inquiétera pas le gardien finalement. Il faut dire que la pluie n'aide pas beaucoup les joueurs. Et juste on va tout. Il veut absolument voir son équipe égaliser, alors il fait ce qu'il faut pour. Gabriel Mercado. Lucas Biglia. Ah, la passe n'arrive pas à destination.
Allez, les Croates à la manœuvre. Le centre vers ses coéquipiers. La relance pas terrible. Il ne faut pas se rater dans cette zone. Paulo Dybala. Dalo Higuain. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Perisic. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Attention, ça peut être dangereux. Paulo Dybala. Christian Pavone. Oui, la bonne occasion. Oh, que c'est bien défendu ça. Ouais, touche pour les Argentins. Allez, changement avec un joueur qui va rentrer. Les Argentins qui ont le ballon. Mascherano. Gonzalo Higuain. Attention, l'occasion pour revenir à un but. Le gardien, c'est pas fini. Yann Badelj. Le duel avec le gardien maintenant. Les supporters sont contents, le ballon qui circule très bien dans cette équipe. Ouais, c'est beau à regarder, l'équipe est bien en place, les joueurs se trouvent. C'est chouette. Rakitic. Et ce ballon qui finit loin du but. Il y a eu un changement côté argentin. Kamenic. Mateo Kovacic. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oh, le ballon dangereux. Ah, et l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Par le cas, il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Manuel Lanzini. Il y a 4 minutes de temps additionnel, au minimum, bien sûr. Modric. Oh, la mauvaise passe, il ne l'a pas regardé où il la mettait. Ivan Perisic. Luka Modric. Ça part bien, action dangereuse. Non, non, on a compris l'intention. Oh, le grand danger! Et les Croates qui vont bénéficier du corner. Attention Perisic. Et l'arbitre siffle la fin du match. Cette rencontre qui s'achève sur une défaite pour cette équipe. Match plutôt bon hein, dans l'ensemble pour lui, il a fait le boulot et en plus son équipe s'impose. Que demande le peuple? Bon, le constat est assez simple pour lui, un but quasiment à doubler, il s'en est fallu quelques centimètres, la photo poteau. Peu importe, hein, son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui. Et quant à ce joueur, il termine cette rencontre sans avoir marqué, mais on se souviendra quand même de sa passe décisive, c'est déjà pas mal. Modric, Perisic, il peut faire mal. Alors on s'arrête à peine de jouer, c'est bien vu. Luka, ouais. Le bon ballon.
Il s'avance vers la surface. Attention Perisic. Oh, sur la... Mandzukic. La tête, oui, le but. Messi. Pour Higuaín, le centre. La superbe tête qui ne laisse aucune chance au gardien. L'attaque de la Croatie. Ivan Perisic. Oh là là, l'occasion.